bien sûr, il connaît tous les départements. Et bien sûr, avant de prendre l'équipe A, il était avec les jeunes. C'est pour ça qu'il connaît Vasquez, c'est pour ça qu'il connaît Asensio, il connaît Valéran, il connaît plusieurs joueurs qui ont joué avec lui à la cantera. On produit beaucoup de talents. Tous les joueurs français pratiquement jouent dans tous les championnats du monde, que ce soit en Italie, en Espagne, bon, je dis l'Europe. Là, j'exagère en disant le monde, mais bien évidemment, on a des talents partout. Et c'est très difficile pour Didier, sachant que, évidemment, l'exemple type, c'est le Brésil, qui, elle aussi, a 6-7 sélections, le Brésil aussi. Donc, j'espère que Didier, même si ce sera une casse-tête pour lui, de pouvoir bien juger, analyser chaque profil pour que son équipe soit bien équilibrée et gagner et rajouter une deuxième étoile pour avec la Coupe du Monde. La France. La France. Oui. Easy. C'est confident. Oui, tranquille. Just in English. Et la Coupe des Champions. Ah, la Ligue des Champions. Champions League. Ah. Trefe, comme Zizou, Terfera. C'est bien.